lorsqu'un mélanome a été identifié, qu'il a été enlevé et que l'analyse histologique confirme qu'il s'agit bien d'un mélanome, la deuxième étape est de déterminer s'il est resté uniquement à l'endroit où il a été identifié ou s'il a commencé à envahir le corps, et en premier lieu les ganglions du voisinage. On réalise pour ça d'abord un examen clinique, le médecin palpe les aires ganglionnaires. On réalise également une échographie, qui est un bon examen pour déterminer si les ganglions sont envahis. Si on est très inquiet, en fonction des caractéristiques du mélanome, un scanner peut être également prescrit. La deuxième étape ensuite est de réaliser une reprise d'exérèse du mélanome, c'est-à-dire qu'on va réopérer en prenant des marges de sécurité. On peut y ajouter une opération des ganglions. On peut en enlever un, qui s'appelle le ganglion sentinelle, qui sera analysé. On peut tous les enlever si on s'aperçoit que le mélanome a envahi les aires ganglionnaires. Ça s'appelle un curage ganglionnaire. Pour aider à reconnaître une lésion suspecte sur la peau des patients, et notamment le mélanome, nous nous servons de cet appareil qui s'appelle un dermoscope, qui est une loupe qui éclaire la peau et qui sert à regarder l'agencement des cellules sous la peau. Et l'image que l'on voit nous permet de déterminer s'il s'agit d'une lésion bénigne ou maligne. On s'en sert comme ceci. On peut également coupler le dermoscope avec une caméra numérique et un ordinateur. On peut alors enregistrer l'ensemble des lésions de la peau des patients. Ça s'appelle un vidéodermoscope, qui a l'avantage de pouvoir comparer dans le temps toutes les lésions, et c'est particulièrement utile si les patients ont plus de 100 grains de beauté sur le corps, car l'œil humain et la mémoire ne suffisent plus pour savoir si l'une d'entre elles est évolutive. Si le mélanome était de bon pronostic, sans envahissement ganglionnaire, il n'y a pas de traitement complémentaire, et une surveillance est réalisée attentive pendant 3 ans. Si le mélanome était de mauvais pronostic ou si on s'aperçoit qu'il avait commencé à envahir et à se déplacer dans le corps, la plupart du temps, un traitement est proposé aux patients, que ce soit de l'immunothérapie ou des thérapies ciblées.